Good morgen, allez, Iden les sera aujourd'hui, le Nishmat Avram Norber Ben Fortuna Fritna, ainsi que l'Irfuat, Chaya Rivka Bat Léa, Shimon Rafael Ben Rina Efrat, Sarah Bat Nechama et Hanalea Bat Gitel Devora Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sérénité éternelle. Nous étudions Maserhet Psachim, Perek Hei, Mishnah Gimel, Shchato Shelo Leochlav, Besholo Limnuyav, La Arinim Belatmeim, Basoul. Leochlav veshalo leochlav, limnuyav veshalo limnuyav, lamulim velaharinim, latmeim velateorim, kasher. Shchato kodem chatzot, pasoul, mishum shenemar ben ha-arbaim. Shchato kodem latamid, kasher, ou bilvad shayeh echad memaris bedamo, ad shizarek dam atamid, veim nizrak, kasher. On a introduit dans la mishnah précédente des psoul marchava, avec des lois générales à tous les korbanotes. Et à présent, on va découvrir des psoul marchava spécifiques au korban Pesach. Psoul marchava, c'est-à-dire qu'on a des mauvaises intentions au moment où on fait le korban. Le korban, quand on fait n'importe quel korban qu'on doit faire, il faut le faire lishmo, notamment. Avec plusieurs règles, on apprenait tout ça dans Zvachim, on ne va pas entrer dans tout. Juste sur ce détail-là, d'être shochet auto lishmo, de l'égorger, de lui faire, de l'abattre, et de faire les quatre avodot, shrita kabbalah ou la chazrika, réceptionnellement, l'amener au misbar, et le jeter avec intention de le faire pour, en guise de Shlamim, ou en guise de Ola, en guise de Khatat, de Hacham, chacun selon ses lois. Et si je vais faire un Korban Shlamim pour m'acquitter, et avec intention de l'offrir en guise de Ola à Hacham, par exemple, je l'invalide, c'est-à-dire le propriétaire ne s'acquitte pas de son devoir. Malgré tout, dans certains cas, le korban peut être caché ou pas, là n'est pas notre sujet. Ça, c'était des halachot générales à tous les korbanotes. Maintenant, un korban shlamim, par exemple, un korban toda, alors on a le droit de le manger. Les kohanim aussi peuvent manger du khatat aussi, et du hacham. En général, si je vais égorger un korban khatat, que les kohanim en mangent, avec l'intention que même les lévim vont en manger, c'est pas une intention qui invalide le korban. D'accord? C'est pas... Ça concerne pas le korban, t'as pensé à des bêtises, tant pis pour toi, c'est pas grave, quoi. Ça n'a pas invalidé le korban, ça n'a pas fait sortir du cadre de ce qu'il devait être. Il y a une exception à la règle, c'est le korban Pessah, spécifiquement, que la Mishnah m'enseigne, Shrato, il faut, peut-être je l'ai introduit d'abord à l'oral, le korban Pessah, on va prendre plusieurs lois particulières en rapport avec ça, que le Korban Pessah, le but, quelque part, du Korban Pessah, c'est qu'il soit mangé le soir. Ouais. C'est pas comme un Korban, par exemple. Tu sais, j'ai un devoir d'apporter un Korban Shlamim. Alors, il faut... J'ai un devoir d'apporter un Korban Shlamim. En plus, il y a une mitzvah de le manger. Si au pire, on ne le mange pas, c'est... Tant pis. Pas très grave. Tandis que le Korban Pessah, tout le but du Korban, c'est de le manger le soir. On apprendra plusieurs halakhot qui vont découler de ça, ce sera assez délicat comment définir exactement les choses. Mais de manière générale, il y a une insistance particulière sur la nécessité de le manger. Et cette nécessité-là, elle va refaire surface même au moment où on va lui faire la shrita, et spécifiquement la shrita et pas les quatre avodot. Soit, si quand on va l'abattre, j'avais prévu normalement de moi le manger avec ma famille. D'accord ? On était 10, 12, on avait fixé qu'on allait se manger ce korban Pessah tous ensemble ce soir, et quelqu'un, le délégué que j'ai amené, qui l'a amené au Beth Amikdash, eh bien, il s'est mis à l'égorger pour la famille de mon voisin. Donc, plus pour nous. Il a été shochetoto chez lo leochlav. La Mishnah me dit shchato chez lo leochlav. S'il a fait, il a été shochet, il a fait la shrita, avec intention que vont le manger un autre groupe de personnes prévues, parce que devant chaque korban, on va plus expliquer dans les détails, d'accord? Peut-être je traduis la série, puis après on les explique plus dans les détails. Il y a Shelo le Ochlav, pour ceux qui, plus précisément ceux qui ne sont pas capables de le manger, mais Shelo l'Imnouyav, pour ceux qui n'ont pas été nommés dessus, ou encore la Harelim Velatmim, pour des gens qui étaient Harelim, qui n'avaient pas fait le Brit Mila, pour raison médicale, parce que quelqu'un qui a eu des frères, deux frères qui naissent, ou trois frères qui naissent, et qui meurent après le Brit Mila. Donc, les frères qui naissent ensuite sont dispensés de faire le Brit Mila. Ils sont anus. La Torah dit, Vachai Baim, il ne faut pas mourir pour accomplir les mitzvot, il faut vivre avec les mitzvot, à part les trois exceptions, de Avodah Zarah, Guilou, Shukhut Damim.
Mais de manière générale, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire le Brit Mila parce que sinon il risque de mourir, et ben il ne fera pas le Brit Mila. Mais il ne pourra pas manger le Korban Pessah, ça n'a rien à faire. Ça c'est la Harilim, ou encore la Tmim pour des gens qui étaient impurs. Et bien dans tous ces cas de figure, le Korban il est invalidé. Soit, je reprends maintenant l'idée, il y a une insistance particulière sur le Korban Pessah, qu'il doit être mangé le soir, il faut penser aux gens qui sont capables de le manger concrètement, et qui ont été nommés dessus. Il y a une insistance dans la Torah, Ish lefi ochlu tachosu alase, on aura l'occasion encore d'en parler plus loin encore, mais il y a une insistance sur être nommé, qui va manger le Korban Pessah. Il faut prendre, même vraiment, nommer, il va y avoir Reuven, à mon avis. Celui qui n'est pas nommé, il ne pourra plus manger de ce Korban Pessah. Celui qui a été nommé sur ce Korban Pessah, il ne pourra plus partir aussi chez un autre. Après, on en a des cas un peu spéciaux. Mais en tout cas, de manière générale, il faut être nommé sur le Korban. Donc du coup, c'est deux points différents. Menouyav, manouille, c'est comme en hébreu. Quelqu'un qui fait un manouille, c'est qui fait un abonnement. C'est quelqu'un qui a été nommé. L'imnot, les manotes, c'est quelqu'un nommé quelqu'un. Donc ça c'est Shalom Nouya ou Shalom Ochlav, c'est qu'en fait on a nommé des personnes, mais des personnes, c'était une maison de retraité où les gens ils n'arrivent même pas à manger un kazaït au bout de 10 minutes. C'est Shalom Ochlav, quelqu'un qui n'est pas capable de manger. Il faut nommer pour quelqu'un qui est capable de manger un kazaït en kazaït birta chelat pras, entre 4 et 10 minutes, selon plusieurs avis et manières de calculer. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas capable de manger un kazaït comme il faut, il ne s'acquitte pas. Et donc maintenant, si toutefois, pour la maison de retraité, je suis parti faire un Korban Pessah, et j'ai fait un groupe de 25 retraités, ou même 40 retraités, parce qu'ils mangent tellement peu que de toute façon, ils vont rester pleins, du coup, je les ai nommés, mais il n'y en a pas un seul qui est capable de manger un kazaït comme il se doit, assez suffisamment, et bien ça s'appelle que j'ai fait le Korban Pessah chez l'Olechlaf, pour des gens qui ne sont pas aptes à le manger, le Korban, il est invalidé. J'ai fait un Korban Pessah, où il n'y a personne qui va le manger normalement. Idem pour chez l'Olechlaf, des gens qui n'ont pas été nommés dessus. Ou encore la Harilim, des gens qui n'ont pas fait le Brit Mila, donc qui sont interdits de manger le Korban Pessah. Et aussi la Tmim, quelqu'un qui est impur, on aura l'occasion de plus approfondir quel type d'impureté exactement. Pour le moment, prenez quelqu'un qui est impur qui ne va pas pouvoir se purifier le soir. J'ai fait le Korban Pessah, puisqu'il ne va pas être mangé, le Korban Pessah, il est invalidé. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième cas de figure, qui est encore lié au même sujet. Par contre, si je l'ai fait les Ochlav et Shalom les Ochlav, dans le même groupe de personnes, j'ai fait pour des gens aptes à manger et des gens qui ne sont pas aptes à manger. Soit, on avait toute la famille qui était réunie, à part ça, il y a le vieux papy de 97 ans, qu'il va mâchouiller pendant une demi-heure son petit bout de viande pour l'avaler, donc lui, il est chez l'Olechlav, j'ai fait le Korban Pessah pour la famille du papy et de tous les descendants. Ou même, bon, peu importe, dès qu'il y a un qui est apte à manger, et même 10 qui ne sont pas aptes à manger, lui, il emporte sur tous, et le Korban, il devient cachère. On va expliquer après pourquoi exactement, mais en tout cas, d'abord, je traduis. L'Olechlav et l'Olechlav, pour des gens qui sont apte à manger et pas apte à manger. Encore l'imnouyav et shalom l'imnouyav. Pour des gens qui ont été nommés, des gens qui n'ont pas été nommés. La moulim vela harilim. Pour des gens qui ont été pas circoncis, circoncis et des gens pas circoncis. Ou encore la tmim vela théorim. Pour des gens purs et impurs. Soit, au lieu d'avoir une intention exclusive pour des gens inaptes, j'ai une intention qui inclut des gens aptes et des gens pas aptes. La Mishnah me dit kacher, le korban il est kacher. Cas très original, très particulier. De nouveau, parce que je vais commencer d'abord par vous donner une halakha générale. Imaginez que je devais apporter un korban shlamim. Le Kohen, quand il lui fait la shrita, ou la kabbala, ou la olacha, la zrika, peu importe, une des quatre avodot, il fait l'intention de m'acquitter pour mon korban. J'ai dit shlamim. Shlamim et ola. Il a une double intention. Il a invalidé le korban. Parce qu'avoir une double kavana, eh bien, ça invalide le Korban. D'accord ? Ça, il faut être exclusif. Tu dois faire shlamim, c'est que shlamim. Ola que ola. Spécifiquement pour la halachot des gens aptes à consommer, comme on a expliqué la liste, dès qu'on a fait le Korban avec une intention qu'il y ait au moins une personne apte à le manger qui le fasse, qui va le manger, même si on en rejoint encore d'autres personnes, ça invalide plus le Korban. C'est une marchava. Alors là, c'est là où la singularité de cette pensez pourquoi elle est spécifique au Korban Pessah, elle se trouve nulle part dans les autres Korbanot. D'accord, si on fait un Korban Ratat pour que la famille des Kohanim de Yedaya la mange alors que c'était une autre famille de Yoyariv, plusieurs familles de Kohanot, de Kohanim différentes qui devaient travailler à une autre, ça invalide pas le Korban, le fait de penser à des mauvais consommateurs. D'accord, ça invalide pas le Korban. Spécifiquement là pour le Korban Pessah, on insiste, comme on a dit, on insiste sur la Kavana, c'est déjà un Chidouche en soi-même, qu'on retrouve
que à la shrita. Parce qu'une fois qu'on a fait la shrita comme il se doit, si le Kohen il va ensuite, il va asperger le sang en pensant à la famille de Kohen, alors que c'est la famille de Lévi qui a porté ce Korban Pessah. Ils ont embrouillé de famille. Ça n'invalide pas le Korban. La validité est, invalidation plutôt, elle est spécifique au moment de la shrita uniquement, chose qui ne se trouve pas dans un autre Korban. Et alors sur ça, le Bartonnel explique, puisque cette intention-là, elle est originale, et elle n'est pas intrinsèque au Korban, c'est pas que tu as changé la fonction du Korban. Le Korban, c'est un Korban Pessah. Dès qu'il y a une personne qui sauve l'histoire, ça sauve tout. D'accord? Deuxième partie de la Mishnah, Shrato, Kodem, Chatzot, Pasoul. S'il a fait la Shrita avant Chatzot, Pasoul, le Korban est invalidé. Je traduis d'abord, mais j'explique. Mishum Shenemar, car il a été dit, comme le Pasoul nous dit, Ben Arbaim, entre les deux couchers du soleil. Soit le soleil se couche une première fois, c'est quand il passe le zénith, et il se couche une deuxième fois quand il disparaît de l'horizon, ça dure 6 heures, c'est tout l'après-midi. Dès le début de l'après-midi, le soleil commence à se coucher, puisque maintenant il commence à Ma'arav. Ma'arav, Erev, il commence déjà à aller se coucher. D'accord? La Torah a insisté Ben Arbaim entre les deux soirs. Soit depuis le moment où le soleil commence à se coucher jusqu'à le moment où le soleil finit de se coucher. Donc il faut faire le Korban Pessah durant l'après-midi. S'il a fait la Shrita depuis le matin, le Korban il est invalidé. D'accord? Maintenant, on avait appris depuis la première Mishnah du chapitre que. Il faut d'abord faire le Korban Tamid. Une fois qu'on a fini le Korban Tamid, on fait le Korban Pessah. Chose qui ne se trouve nulle part dans presque aucun autre Korban. De manière générale, on a un coup d'envoi, un coup de fermeture. Chaque jour au Beth Amikdash, on te porte le Korban Tamid, comme on dit dans la paracha du Tamid. Et vous ferez deux corbanes, toujours un vous ferez le matin et un vous ferez le soir, l'après-midi. Entre celui du matin et du soir, vous faites tous les corbanotes. Celui de l'après-midi vient clôturer la saison, le jour des corbanotes. Après, le corban tamid, on ne fait plus de corban. À une exception, c'est le corban pessah. Presque, il y a quelques petits détails, mais tout est lié au Korban Pessah. À cause du Korban, quand le Korban Pessah, la Torah l'a dit, quelque part, elle a dit, vous le ferez Ben Arbaïm, et bah Erev, faut faire le Korban le soir. Bien sûr, on ne fait pas le Korban le soir, parce qu'il n'y a pas de Avoda le soir. Donc c'est quoi tu fais le soir? On est la Torah à l'inciter pour. T'as fait un guilouille, en fait, t'as tête de voler que le Korban Tamid, tu fais une fois que t'as fini la journée du 14, t'as fini, t'as fait le Korban du Tamid du 14, après tu commences à faire le Korban Pessah. On a déjà expliqué que l'idée générale. C'est que le Korban Pessah, en fait, c'est une préparation pour le soir. Donc, quelque part, je ne peux pas te dire de le faire le soir, sinon comment est-ce qu'on va faire? Alors, la Torah, elle a dit que tu le fais dans l'après-midi du 14, à proximité de la mitzvah du soir. Du coup, donc tu le fais après le Korban Tamid. Maintenant, on a quelqu'un qui a fait la shrita du Korban Tamid, du Korban Pessah avant celle du Tamid. Il a passé l'après-midi, il était 7 h de l'après-midi, enfin 7 h depuis le matin, donc ça fait une heure après le midi. Et c'est l'heure de faire le Korban Pessah en théorie. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore fait le Korban Tamid. A priori, il faut faire le Korban Tamid après le Korban Pessah. S'il a fait le Korban Pessah avant, alors pour le moment, il n'a pas invalidé la Shrita. Mais quoi? Shrato Kodem le Tamid. Il a fait la Shrita du Korban Pessah avant le Tamid. D'accord? Le Korban Tamid. Donc, Kacher. Le Korban est le Kacher, mais quoi? Ou Bilvad Cheye Echad Memares Bedamo. Mais à condition qu'il y en ait un qui va faire tourner le sang. Faire tourner au sens propre. Au sens qu'il va tourner, il va le faire tourner. Soit le sang, s'il le laisse comme ça, il va coaguler, il va devenir solide. Une fois qu'il est solide, on ne peut plus faire l'azala. Pour faire l'azala, il faut qu'il soit liquide. Alors, la solution qu'on a, c'est que bon, tu l'as fait trop tôt le Korban Pessah, bah, trouve un Kohen qui va être gentil, qui va le remuer sans arrêt, sans qu'il va coaguler. Il va rester donc le fluide, jusqu'à qu'on va finir de faire le Korban Tamid, qu'on va asperger le Korban Tamid, et dès qu'on asperge, tu asperges ton Korban Pessah, comme ça on a sauvé le coup. Maintenant, mais im nizrak, et si toutefois le Kohen est un peu dans la lune, il le gardait comme ça, puis ça le prit de asperger, kasher, le Korban il est a posteriori validé. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.